il a fait une chaîne. Il peut stream. Donc quand il joue, il le fait, tu vois, il y pense en fait. Tu Ah, vois? là des compliments. Eh oui, Voilà. c'est quelqu'un de sérieux. Voilà, Ouais. quelqu'un de Bah, sérieux. Quand merci, il se lance merci. dans un projet, eh ben il le fait. Ah, Il y exactement. va. C'est gentil, ça. Quel homme, cet Arthur. Ça me fait plaisir, là. Ça me fait plaisir. Bah, ça me fait plaisir aussi. On note, voilà, il y a des compliments à faire, on les fait, Dark. On est comme ça ici. Il y a Bon. des suçages de bite, hein. Tu me dis quand t'es dans le secteur, dans le truc privé là. On va penser sur en ligne alors. Vas-y, je lance en privé. Comme ça, on sera Et loin de la fête. il va falloir faire le casse là, enfin une attaque de, une mission là, je veux dire de la casse là. Dans le comico, tu sais, avec les tasers là, je suis bloqué à la fin. Non, non, on va pas faire ça. Si si si, bah si parce qu'après j'ai les trucs de voiture débloqués. Bah si si, ah bah si. Tu peux y Ah bah quoi? si. Ah bah je paye rien du tout moi. Hein? Ah Moi non je je crois que t'es paye. pas ouvert au dialogue là. Tu veux Hein? finir coincé dans une Non des petites armureries là? je vais plus dans les armureries. Je pourrais finir à sec Hein? de munitions, j'y vais plus. Non, pas fini. J'étais coincé comme un niveau 2. Normal, il me prévient pas le bâtard là. C'est bon ça. Je t'ai invité. Bon, évidemment, là, je te dis qu'elle devait partir un petit peu là. J'en profite. Quand il aura téléchargé GTA, le but, ça va être de le desquer. Histoire qu'il le désinstalle très vite. J'ai pas envie de passer des bons moments sur mon jeu Quel fumier! avec lui. Quel fumier! Je veux que ces bons moments restent. Voilà, donc quand il revient, évidemment, tu Oui, pars un bouge peu cousu, je là-dessus. dis, moi je dis rien, je ferai semblant. Allô? Oui? Ouais, Enzo. T'es revenu? Coucou les gars. Ça va et toi? Ça va, J'ai ça va. téléchargé du coup. Hein. Je Oh, prends la demande à nickel! moi, je pense. Nickel! Super, super. Vas-y, Dark, invite-moi dans ton truc. D'abord dans ton entrepôt. Elle est pressée de jouer avec toi, Enzo. On a parlé justement avec Dark. Hein. Ah ouais? Super, je suis content. Reprendre GTA tous ensemble, putain, quel kiff, quoi. Quel kiff. Puis les Bah deux franchement, moments c'est ce qu'on que a je me suis passés. dit quand j'ai téléchargé, tu vois. Je me suis dit, putain, on va passer de sacrés bons moments. Mmh. Mais Ah non, laisse mais tomber. clairement, de ouf, hein. Laisse tomber. Ah, je comprends pas comment on pourrait ne pas passer de bon moment là, franchement là. Ah bah Moi c'est non sûr, plus. alors on fait Ah. un J'ai envie de truc dire, comme ça. trois bons amis, un bon jeu Eh, vidéo, de ouf, eh, de faites comme ouf. le peuple. Eh, de voir, bah rien de plus, hein. Que la rigolade, hein. Que Allez. du fun. Fun, fun, fun. Ah, on a dit la même chose, Nico, au même moment. Cheat. Trop mignon. Oh, tu m'as bien eu, je me tais du coup. Jusqu'à ce que vous disiez mon nom. Dis que pas trop tard, hein. Bon allez, je vais à la casse moi. Et fini de vous palucher le phallus là tous les deux. Allez. T'as quelque chose contre les homosexuels là? Oh, j'ai rien dit. Parce que j'ai Est-ce que cru comprendre. j'ai prononcé ce mot-là? Non, pas du tout. Mais c'est qui se paluche Ah, c'est vous deux. Dark? Dark, comme ça là, est-ce que t'es un Là. synonyme d'homosexuel en deux lettres? Un Pour un quoi? million. En deux. Oh, oui, en deux lettres, il est con. Je En vais deux pas le dire. lettres. Non, je le dirai pas. T'as bien ça, tu l'as pas? Non, 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 Dommage, peut-être pour un le million quand même, BM. ce serait dommage de pas le dire. BM, peut-être. Je l'ai pas. Ah non, ah non, non, non. AD. Mais c'est malheureusement c'est pas le mot qu'on pensait. Mais c'est pas CQ. grave, hein. C'est un CQ. million. C'est pas Ça fait ça? quoi un million dans la vie? Oh, c'est rien, 1 million dans la vie. Regarde, regarde en GTA. 1 million, j'arrive même pas à payer une bagnole. C'est vrai, malheureusement la vie c'est pas GTA. Ah mais bien sûr, mais non. Bon allez, vite à la casse, hein. Ah! Ah, et Call of, c'était bien drôle tout à l'heure, hein. C'est quoi ça? Ah. T'es revenu sur le live ou pas? Je suis parti vers Parce que j'ai une personne qui est vers venue, 1h15, je qui crois. venait, qui repartait, je sais pas qui c'était. J'ai cru que c'était toi. Ah bah c'est pas moi. On a bien rigolé, le mode zombie, franchement très drôle. C'est bien. Le mode zombie, ça déchire. Non. Bon allez. J'ai fait toutes les missions de prépa, le sac, les armes, tout.
par contre, pour semer les keufs, j'ai pas réussi. Je crois qu'il y a le chrono en fait qui est merdique. Je sais plus. Moi, je crois que t'es nul. En trois lettres. Oh, oui. Ouais. En trois lettres. Ouais. Nul. Ouais. Ça résume pas mal de situations et la plupart du temps. Ah. Incroyable, mercredi. Tu sais qu'on se verra pas le mercredi, hein. Ah ouais, pourquoi? Parce que bah je suis club ado et. Et voilà. On mangera ensemble le midi, tu me tournes kebab. Alors sache-le, parce tu ne pourras pas quitter ton travail pour aller manger. Ah bon? Non. Bah non. Et je mange où alors? Ah tu vas manger avec les enfants à la cantine. Leur repas dégueu. Ah et pour alors pour le coup, la cantine est vraiment dégueu. Hein. J'ai de moins en moins envie de faire ce stage de merde. Ah c'est toi qui t'es lancé à finir le BAFA. Hein. Mais c'est payé, j'ai pas le choix. Ouais. C'est toujours ça en plus hein. Mon directeur il est pas là, il est en vacances cette semaine. C'est qui le directeur alors? C'est Laurent. Ah non non, toi t'as le sous directeur, c'est Lolo ouais. T'as le sous directeur toi. C'est lui à qui t'as eu affaire. Ouais. Mais c'est lui qui est pas là? Non non, c'est le directeur qui est pas là. Laurent. Oui. Mais c'est carré. S'il y a que Clément, ça va bien se passer non? Ouais, lui, tu verras bien. Ah non. J'ai l'impression qu'il est pas tout à fait net. Non, mais il y a que des trous de balle en fait. Enfin, il y a une mentalité de merde au taf, c'est surtout ça. Très même très mauvaise. Comme ça? Hein? Oh mon gars, mais bien évidemment, dans un truc comme ça. De ouf, c'est même pire, je pense. Pour moi, genre dans le monde de l'entreprise. Où c'est vraiment de la thune, ok, mais avec des enfants, effectivement, t'as des valeurs quand tu veux dans des trucs comme ça. On va dire ça comme ça. Moi, spécialement, j'y crois pas du tout à mon travail. Mais je crois que beaucoup sont dans la même situation que moi. Non, c'est surtout la mentalité des gens. C'est l'humain qui est derrière qui est pourri. C'est dommage. Oh, je vais. Attends, mais je croyais que le truc c'était pas mercredi, Nico. T'as pas bougé en fait. Si, c'est mercredi. Allez, on commence le vol. Le mercredi où on fait, j'aurai pas. C'était quoi, Doc? Je vais arriver mercredi. Ouais. Et crois-moi que la mentalité, ça sera toujours la même. Ah, c'est ça. Des traces que t'as jamais vues. Ah, ouais. Je vais pas relever le niveau, crois-moi. Ah bah, j'y compte bien. Ah j'ai pas envie d'être dépaysé quand je vais au travail hein. Ah, t'en fais. Ouais. Surtout que je suis pas du tout avec ces gens là. Tu voulais conduire ta voiture peut-être? Non, moi ça me va là. Surtout que en fait il y a un hélico qu'on va prendre après. Ça parce qu'il se presse pour piloter. Incroyable. Sois content d'arrêter de passer du temps avec moi sur GTA, c'est un bonheur. Ouais. Oui. Alors, il me dit non, pas ce soir, je regarde un film. Moi, je me suis mis. J'ai fait. Ah non, mais moi, j'ai joué à Call of, après GTA, une petite heure. Je voyais que je tournais en rond parce que j'étais tout seul, j'ai arrêté. Je me suis dit bon, si personne ne revient ce soir, comme c'était prévu, et ben je me mets mon petit film. J'étais en train de regarder Spider-Man. Et puis bah là t'arrives. Miles Morales là, Across the Spider-Verse là. Il est bien hein. Parce que je l'ai pas vu le film. Ah, et tu t'es arrêté pendant cette masterclass pour venir avec Nico? Ah, je me suis arrêté pendant quand Miles Morales. Beaucoup trop d'importance. Quand Miles Morales apprend que son père doit mourir et qu'il ne peut pas le sauver et il décide de s'enfuir. Oh la vache, tu t'es arrêté pendant cette scène. Ouais, ah, cette scène de ouf. Tous les Spider-Man derrière lui. Non, bah, je pense que le jeu vaut plus en fait, tout simplement. Quoi?
plus que ces milliers d'heures de travail. Ah. Ben, regarde, il a creux dans le nez. Il est où, Dark? Il est dans l'hélico. Avec pipi. Ouais, j'ai vraiment peur qu'on se prenne un sapin. C'est vrai? Ouais. Bon, ça y est, je commence à bien reprendre le jeu. Là, oui, Kevin, Kevin s'en souvient. Kevin. Je me suis acharné sur un joueur, tiens, ce matin. Je faisais ma mission tranquille. Ah non, mais je faisais ma mission tranquille, le mec il arrive, il me tue. Bah, je reviens, je le tue. Je détruis son véhicule, il détruit le mien. Il se barre. Je poursuis avec une voiture de flic que j'ai chopée. Et cet enculé, il est tellement une daube. Pendant que je roulais, je suis passé à côté de lui, j'ai balancé un C4 sur sa voiture, je suis parti et je l'ai explosé dans sa caisse. Et après, je l'ai pas retrouvé, je lui ai mis $9000 de prime sur la gueule. Et il s'est barré du serveur avec sa prime. En plus, il avait une tenue multicolore dégueulasse. Il attend même pas les ordres. Il faisait caca là ou il... C'est très drôle ça. Ah ouais, c'est très drôle. Bah écoute, je bosse avec des enfants. Bon, tu la balances ou pas la grenade? Parce qu'il faut peut-être aller dessus. Ah bah voilà. Il y a Fanny qui joue, mais... Enfin non, Evangeline qui joue. Mais... je sais pas, elle est sur GTA, là. Attends, va pas trop vite. Ah ouais. Attends, je vais les fumer à gauche. Petit con. Ah. Charge! Putain! Je crois que c'est là, c'est en bas qu'il faut aller. Quoi? Attends. Il me semble que c'est ici qu'il faut aller. Oui, c'est ici. Toi, t'es en train de tous les fumer là-haut. Et je vais pirater le PC. Ah, ça y est, c'est le moment où il veut se transformer en loup-garou, donc du coup il part tout doucement. Toi Coco, je savais que t'allais venir. Attends, on va attendre qu'il ouvre. Vas-y, prends le sac. Allez. Tu viens nous chercher avec la voiture ou je te suis? Non, tu crèves. Ah, super. Super le plan. Elle est pas là la voiture. Hein. Oh, je suis mort. Oh là là, j'apparais trop loin.
Il est avec toi, le trou de balle, là, le mec qu'on doit sauver ? Ah oui. Bon bah let's go, hein. Trouve-moi le... Allez, cache-toi. Attends, pas la peine de trop, ouais, quoique. Bah c'est bon. Bah sors, on s'en fout. Trouve une sortie là, va tout droit. On a plus les flics au cul de toute façon. Vas-y. À l'aéroport, on devrait pas être si loin normalement. Ah bah tiens, tu t'es bouffé le plafond. Ouais, un petit peu, ouais. Tu vois là c'est beaucoup plus. Non, pas du tout. Attends, mais c'est un labyrinthe ce bordel, par où il passe? Ah oui, c'est là la sortie, je la reconnais, c'est la sortie. Kiltini a vraiment peur. Hein. Alors moi je te le dis. Il est pas du tout serein. Tu peut-être que je conduis. Non. Bon. Allez, sors-nous de là, amène-nous à l'aéroport. Qu'on le dépose, lui. Allez, on y est presque. Wow. Tu t'es endormi sur le klaxon. Des choses qui arrivent. Hein. Des fois, quand t'es grand dans la voiture, tu sais, tu peux, tu t'as les coudes, tu sais pas trop où les mettre. Des fois, t'as les coudes qui sont sur le klaxon. t'as les genoux sur le klaxon. Ah, c'est vraiment ta voiture est minuscule. Par contre, t'as le coffre à l'arrière qui est ouvert. Tu feras attention parce qu'on a les courses qui vont tomber. Et tu sais que la bouffe, ça coûte cher. J'ai pas envie qu'on perde les tomates sur la route. Alors là, pas sûr que sur le mode d'emploi, c'est marqué pour fermer le coffre, foncer dans un mur en marche arrière. Je suis vraiment pas sûr. Ah bah ça y est, c'est fermé. Ouais. Là, tu t'endors à chaque fois. Hein. C'est un truc. Ouais, c'est dommage. Là, t'as la tête sur le. Ça, c'est un truc que l'un de mes cousins il avait fait. Quelque chose de très drôle, mais très dangereux. Ouais. C'est quand t'es sur l'autoroute, tu fais semblant d'être endormi, tu mets la tête sur le klaxon et tu laisses klaxonner. Alors, je l'ai fait de temps en temps sur l'autoroute, mais vraiment, 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 très con. Je vous interdis, les gens. Qui me regardait de le faire. Très 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 stupide. Ok. Est-ce que tu veux que je conduise? Attends, parce que moi j'en ai marre. Bah, c'est pas un Uber quand même. Il est dégueulasse le véhicule, excuse-moi, mais. Ouais, laisse-moi conduire. T'es un enculé.
t'es vraiment un gros enculé. Si tu la commences comme ça, gros, on va pas s'en sortir. Il y a deux, C4 collés sur la bagnole. Ah non, mais ça va pas le faire. Si tu fais péter, on est mort. Parce que là, pour le coup, cette bagnole-là va péter. Hein. À propos de mon grind mercredi. Ton kebab à partir de mercredi. Mais mercredi, tu mangeras pas kebab. Même moi, je vais pas manger kebab mercredi avec mon pote. Hein. Je te dis tout de suite. Hein. Nous. Mercredi soir. Alors, non plus mercredi soir. Je pense que mercredi soir, je suis resto, normalement. Hey. Ah non. Non. Ah non, je fais resto avec ma soeur. Non, mais c'est gentil, mais non. Enfin, normalement, je fais resto le mercredi soir. Si c'est pas le mercredi soir, c'est un autre soir. Si ça te fait plaisir, je viendrai. Ah, c'est bien, pas de soucis. C'est très gentil. Pas de soucis. Tu me rentreras chez toi et j'irai de mon côté au resto. Ah! Pousse-toi, petit chat. C'est pas comme ça. Il y a même des chats. Ils ont même mis des chats errants. Écoute, Dark, je veux qu'on te fasse meilleurs amis pour la vie. Non, mais maintenant. Là, j'ai une place qui s'est libérée récemment. Non, mais moi, j'ai pas de place pour des amis. Alors. Et moi, tu vois, j'en ai une qui vient de se libérer aussi là. T'es sûr que t'as vraiment pas de place? Ah, je suis désolé, les places sont prises. Sûr. Ah, vraiment bien la situation. Attendez. La blague que tu pourrais faire, c'est vraiment. Attends, waouh. Moi, je pense qu'il te reste une petite place. J'ai regardé ton emploi du temps, il te reste une petite place. Alors. Moi, je demande pas beaucoup de temps et franchement, j'ai un sacré compte en banque. On pourra faire de belles choses. Ah, compte en banque, t'as combien? Un million. Waouh, c'est intéressant. Qu'est-ce que. T'es un enculé. T'es une sacrée merde. Alors vraiment pas. Eh ben dis donc. Si je m'attendais à ça. Non mais tu veux que je te dise ce qu'il a fait? Tu sais les C4 qu'il a posé sur la bagnole les deux. Et bah juste avant l'arrivée de la mission, il a sauté de la bagnole, j'ai pas compris pourquoi. J'avais oublié les C4. Et bah il a fait exploser les C4 et je suis mort dedans. Ça t'étonne? Non, ça m'étonne pas non. Ce genre de pratique est monnaie courante. T'as plus de place un soleil. Non mais pas pour toi, c'est. Ah putain. Mais non. Et coucou Solène. C'est à cause de cet abruti là, putain. T'as vu ce qu'il me fait subir? Et encore hier il m'a enfermé dans une. D'ailleurs oui je suis arrivé, tu es mort. Ah bah oui, bah on se demande pour qui. Je conduis. Je conduis, c'est ma voiture. Je conduis, putain de merde. Ça arrive. Putain, je vais les tuer. Laisse-moi conduire, c'est ma voiture, ça. C'est le retour du chat noir. Ah bah alors là, j'ai envie de te dire, c'est. Là, c'est pas compliqué avec lui. En coéquipier. Laisse-moi conduire, c'est ma voiture, putain. Laisse-moi conduire. Et Solène vous passe le bonjour, les gars. Ouais, bah, la petite voix te dit bonjour, Solène. Laisse-moi. Ah, merci. Et tu mets surtout pas de C4 parce que c'est une voiture que je débloque, ça. La petite féfé là. Petite musique. Non. Eh ben écoute, comme tu vois, on fait toujours son petit chemin sur la chaîne. Les 300 followers, je suis pas sûr que ça arrive fin d'année. À la base, je voulais. Arrête de sortir du C4 avec ta main, je la vois, putain de merde. Et donc, bah, écoute, voilà, quoi, je suis affilié. La séance, scène. Alors, ça, c'est. Mais niquez vos mères, putain. J'ai loupé la story, la sortie, laissez-la prendre. Voilà. Et puis voilà, quoi. Une petite série GTA jusqu'à la sortie du 6. Ça va être compliqué. Deux ans. Hein? Alors. Deux ans, faut voir si c'est 2 ans complets avant la sortie du jeu. Okay. Il y a des. Oh ça va, GTA on peut tenir 2 ans dessus. Il a tenu 10 ans le jeu, même 11. On peut tenir 2 ans de plus. Non, mais voilà. Toujours fidèle au poste.
Ouais. C'est-à-dire que t'as mon meilleur ami. Alors, non, je suis pas ton meilleur ami. Ouais, ça a bien évolué, ouais. Ça a bien évolué, et peut-être, bien, peut-être d'ici fin d'année, on verra. Ils ont tendance à un petit peu te prendre la confiance que tu as mis vite à leur place. Non, mais tu vas voir, il va voir Victor. Il va voir Victor au boulot. Ouais, Victor va lui mettre. Victor, il va voir Lolo. Hein. Hey, non, non. Lolo. Non, mais Victor, il l'a vu. Victor, il va lui mettre une mandale. Ah, en fait, Solène, très très drôle, live très drôle tout à l'heure avec Victor sur Call of. On a fait le zombie. Ah, les gars, on a fait du zombie. Ça marche, y a pas de souci. J'étais en live avec lui tout à l'heure. On a fait du zombie. On a joué pendant bien, allez, 40 minutes. Pour au bout du compte que le gars nous plante. Il a quitté la mission à la fin parce qu'il est mort. Et du coup, bah, on a fait tout ça pour rien. Mais c'était très drôle. On s'est très très bien marré. On va essayer de faire ça régulièrement les soirs. Après, j'étais pas. Je sais pas comment c'est possible. Hein. De quoi? J'étais pas là. De quoi t'étais pas là? T'as pas pu passer un très bon moment vu que alors, j'étais pas là. Alors, avec Victor, je passe toujours des très bons moments. Oui, mais. Non, j'ai pas. Là, je vois ce que tu veux dire. Non, j'ai pas ragé, non. Non, par contre, mort de rire. J'ai un aller aussi, je l'écoute pas. Si, je l'écoute, mais je l'écoute. Non, mais. Je suis mis sur le côté. Franchement. Nico, tu sais quoi? Remplacer comme petit chaussette, oui. Nico, c'est pas dans le. Je dirais non, j'avoue, j'ai pas ragé, non. J'ai une place qui vient de se libérer. Bah, Nico, t'entends? Il y a une place qui s'est libérée là pour un ami. J'entends, je suis considéré et je reviens à toi. Tu devrais y aller. Non, mais, entre Dark et l'autre grognasse, je pense qu'il va choisir tout. Laisse tout le temps de la réflexion, c'est important. Une opportunité comme celle-là, ça se loupe pas tous les jours. Ah! Allez, petite voiture gagnée. Nico, est-ce que ça te dit après d'aller sur le serveur privé de Eve, on va voir ce qui se passe. Vas-y. Ah, ce qui me fait chier, c'est que je vais réapparaître. Pas à la casse. Si t'as envoyé un message, peut-être que j'aurai quelqu'un d'autre. Je sais pas quoi. Peut-être elle veut pas être dérangée. De quoi, Solène? Ah non, mais après on peut y aller et ne pas la demander en groupe. On se demande nous deux, puis on verra bien. Oui, parce que je me fais des frayeurs des fois. Ah bah c'est pour ça que je vais sur tes lives, c'est pour ce genre de petits moments. Ah, ces petits moments, ah, les petits moments de frissons. Ah ouais. Mais parce qu'on vient pas pour le niveau. Bah, pouvais-tu remarquer ça? Est-ce que c'est vraiment faux? Attends, boîte de nuit, 145 000 $. Ah, non. Ils parlaient d'entre eux. 50 000 $. Et on a une voiture. Et la voiture, je la démantèle surtout pas. Bon, tu changes de serveur ou j'y vais? Vas-y, je te rejoins. Ok, bon bah, vas-y. Ah non, c'est pas toi, mais non. Je me détends. 150. Attends. Pourquoi j'ai 150 000 $ alors que c'était 50 000 $? Je comprends pas. Bon, bref, on va changer de serveur, on va aller voir. Je sais pas si tu peux la rejoindre. Non, je peux pas la rejoindre. Ouais, moi non plus. Et ben, on va rester là. Résolu. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Non, mais on va continuer. On va continuer ici. Hein. Après, moi, j'ai un braquage qui peut t'apporter. Attends. On va prendre une autre voiture. Je crois qu'il y a une condition pour ce braquage, non? Oh putain. Pourquoi tout en bas? Je suis d'être le meilleur ami de Nico. Ah, merde. Je peux pas y aller là. Non, attends. Tout peut s'arranger avec un restaurant. Non, ça s'arrangera pas. Pourquoi je peux pas? Il y a du temps. Non, mais tu comprends pas ou quoi? Non, mais les gars. Les conditions. Mais je comprends pas, putain. Il y a du temps, c'est pour ça que je peux pas.
Bon, allez, Dark Souls, sur le meilleur ami. Oh là là, c'est bon, j'en ai marre, je m'en vais. Oh, j'en ai mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait du souffle. Non, non, mais je m'en vais. Mais c'est quoi, il y a du temps ou pas? J'en peux plus, je vais craquer. Il y a du temps ou pas? Non, il y a une amitié en moi. Oh là 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 là, le relou, oui, il y a du temps alors. Allez, viens, on se casse. Putain! Putain, mais Dark, on s'est vu, je pensais que dans tes yeux j'avais vu l'étincelle d'une amitié sincère. Ah, il n'y a pas d'étincelle d'amitié sincère. Les amis sont déjà pris. Alors, je suis désolé, mais les amis sont déjà pris. On peut en avoir plus, Dark. Non, on peut pas en avoir plus. C'est pas possible. Ah, but you loved. Allez. J'arriverai à faire ma place dans ton cœur. Non, non, mon cœur est trop petit. Il est tout petit. Alors, il y en a un, c'est Nico. Ça, c'est pas ton cœur. Nico de Gon. Et l'autre, il est pas sur le jeu. Bah, ouais, on verra. Le plus rigolo, c'est celui qui est pas sur le jeu. Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Nico, là? T'as pas de cœur, Dark. Non, j'ai pas de cœur. Bon, Nico, on fait quoi, là? Dis-moi, là. Tu veux savoir ce qu'on fait? Ouais. On va parler. T'es un bâtard, tu m'as collé un C4. T'es un gros bâtard. Franchement, t'es un gros bâtard. Non, Dark. Écoute-moi. T'es un gros bâtard, tu m'as mis un C4 sur ma putain de bagnole. Écoute, Dark, on peut parler comme des adultes. Ou comme des enfants. Je veux être ton ami. Tu ne peux pas me tuer. J'ai la haine. C'est qui lui là? Il y en a un qui est vénère là. Ah, c'est un chien! Non, on tue pas le chien! Non, là, c'est la dernière fois que j'ai. Oh putain, la manette! Alors, la manette qui dure 5 minutes chrono, franchement, je la retiens. Franchement, mais laisse-moi le chien! Oh, on a les keufs au cul. Mais oui, mais putain, on fait quoi là? C'est chiant là, le casque! C'est quoi ton braquage? Bah, c'est celui qui va te rapporter 1 million toutes les 10 minutes. Allez, viens, on va le faire. Mais d'abord il faut se casser des flics. Non, oh. Je lui parlais avec des mecs que je connais. Oh t'es un enculé, tu m'as tasé. T'es un gros bâtard. Il a fui. Pourquoi il a fui? Il a pas supporté l'enculé en fait. Parce que quand il était petit, il s'est vraiment fait sodomiser par son oncle et ça l'a traumatisé. Tiens, il est mort. Nico de Gonce à ses cobayes. Mais putain non, mais. Est-ce qu'on est. On est pas loin de minuit? Non mais ah, quel... C'est potentiellement sa wifi qui s'est coupée. Non, me dis pas ça. Ah si, genre téléphone, plus de batterie, terminé. Non, il est encore là. Ah moi aussi. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce bordel? Une mission est activée, est en cours. Nico de Gon a quitté... Mais qu'est-ce que c'est que la mission qui est en cours? Putain, mais en fait, vu qu'il m'a tué, ma mission est de le tuer maintenant. Oh mais quelle naze. Mais putain, mais on va jamais s'en sortir avec un mec comme lui. Qu'est-ce que j'ai fait pour le vendre et qu'il devienne stagiaire à mon taf? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Il a fait un truc, il est bizarre. Ça. Voilà, vous avez exécuté pour le. Voilà, c'était ma mission parce que c'est un traître. Par contre, il bougeait vraiment plus. Tu crois vraiment qu'il a un souci avec ça? Ah oui, vraiment. Genre, ça lui arrive souvent. Ah non, il est encore là. Genre son téléphone s'éteint parce qu'il a plus de 4G. Enfin, ah oui, putain, il est pas là. Oh non, je me retrouve tout seul. Bon courage. Putain, mais attends, ça veut dire qu'il revient. Toi, hein. Ça veut dire qu'il reviendra pas. Ah, il m'a réinvité à une partie. Oui, attends, on va gentiment attendre qu'il rejoigne. On est deux dans. Ouais, les stagiaires mon taf, ouais. Ah non, qu'est-ce qu'il fait là? Je vais le réinviter. Ah oui, qu'il vienne là, hein, qu'il arrête de faire des changements de partie. Il voit plus la partie. Tu l'invites? Ouais, je vais l'inviter. Impossible d'envoyer des invitations à certains joueurs. Quoi? Oh là 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 là. Par contre, s'il te plaît. Rejoignons-le. Oh là là. Dark, j'en supplie, sois mon meilleur ami dans cette partie. Non, mais c'est bon, on va le rejoindre. Vas-y, fais la partie, je vais la rejoindre. Il nous invite, vas-y, j'arrive.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Solène? Oui, Solène? Ma belle voiture. Solène? Attends, attends, deux secondes, Solène. J'essaye de rejoindre. Oh là 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 là, mais ils sont où? Attends, mais moi aussi j'ai. Je sais pas où ils sont. Ça fait trop longtemps. Mais tu m'étonnes que ça fait trop longtemps, on se demande à cause de qui, hein? Il y a une attaque, à mon avis. Non, mais Nico, je retrouve pas la ta partie vocale. Tu m'as laissé planter là. Je suis tout seul. Super. Chose que je voulais pas. Super. Oh, ça y est. Non. Non, 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 Solène. Mais là, t'es de retour. T'es de retour ou c'est juste un passage? Non, mais en fait, j'ai plus du tout. En fait, moi aussi, j'ai bugué. Écoute, je ne vois plus les gens connectés sur ma play. Je sais pas ce qui vient de se passer. Oh putain, il y a un gros bug sur la play. Les gens. Les gens, c'est pas des conneries, hein, ce que je vous dis. Sur la play, je suis connecté sur Internet parce que vous voyez, je suis toujours en live et je joue un jeu Internet. Mais il n'y a plus rien qui apparaît en joueur connecté en tant qu'ami. Plus rien. Me dis pas qu'ils se sont fait pirater, Sony. Oh non. Plus rien. Bah, bien évidemment que j'ai besoin. Tu m'as laissé tout seul en train de voler, tu te rends compte? Tout seul en train de voler. Voler et jouer à tout plein de jeux différents. Tu m'as laissé tout seul. Tu te rends compte de ça? Hein? Non, 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 Solène, le problème c'est que c'est pas le jeu, c'est la play. Ah, ça revient. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors attends. Je suis désolé, hein. Je suis désolé sur ceux qui sont sur le. Oui, bah l'hôtesse avait besoin de vacances. Oui, bah l'hôtesse, elle a pris à cette vacance là. Non? Je suis dans la merde. Je suis dans la merde, je ne sais pas où ils sont. Bon, on va voir. Je comprends pas ce qui se passe. On va voir. Sony, là, il y a eu un gros plantage. Non, les pseudos de Nico, j'en veux pas. Non, mais Nico, je ne vois pas votre groupe vocal, en fait. Si tu es sur mon live depuis tout à l'heure, je. Ah, bah voilà. Il suffit de râler. Quand on râle, on a les choses dans la vie. T'inquiète pas, Dark, mais moi j'ai galéré là. Ah non, mais hé, hey, les gars, J'ai galéré dans ma play. qu'est-ce qui s'est passé sur la play? Plus aucun ami visible, plus rien. Oui, non, mais en fait, Nico il a fait bugger notre partie. Genre, ça m'a fait pareil. J'avais Ah, plus de mais bots, non, mais le gars, j'ai c'est bloqué même entre pas. ta partie et sa partie, c'est un C'est délire. même pas, il m'a fait bugger la partie. C'est qu'il m'a fait planter la console. Le coup. Ça a vraiment me retombé dessus. Ouais, Et aussi, ça me fait un Solène se moque merde. de toi, gros. Hein. Je tiens à te dire, Solène se moque de toi. Hein. Elle a bien raison. Solène. Mais parce que je suis premier touché par un bug. Non mais attends, tout le monde a C'est été bien que touché. Tout le monde c'est a été qui le touché. premier gars qui a eu le Covid? Bah, c'est Monsieur Covid. Ah c'est Nico, c'est lui qui a ramené le Covid. Ah putain, c'est une nouvelle version d'histoire ça. Ouais, Dark, tu c'est veux le rejoindre la Nico. session ou pas? C'est le Nico 19. Non, je Oh, suis t'es premier touché. chiant, putain. T'es en session privée ou pas? Non, ça charge. Ah bah je vais pas te rejoindre. Alors. J'ai un coup de fil de Franklin.
Je vais pas le prendre, sinon je peux pas rejoindre. D'habitude, t'aimes bien quand je te dis mauvais coup d'abord, tu prends mal. Alors, les pseudos comme ça, je vais aller sur Call of et je vais changer de partie vocale. Je ne veux pas que tu m'appelles quoi que ce soit, je ne déteste les surnoms. T'entends? D'accord? Aucun surnom pour moi. C'est terminé. Ça fait 4 mois, j'essaye. Hein. Ah non, mais je déteste ça réellement. Un jour, ça passera plutôt. Ah non, ça passera pas. Si, si. Ah non, non, je te le dis tout de suite. Tu diras Nico, mon meilleur ami, lui, il a le droit. Alors mes deux meilleurs amis, je ne les appelle pas mes meilleurs amis déjà. Mais nous, avec Enzo, on s'appelle toujours mon meilleur ami, tu vois. C'est vrai. Et bizarrement, vous étiez un peu en embrouille tout à l'heure. Bon, quand est-ce que tu m'invites là? Tu me dis ou... Il y a la blague et il y a la réalité. Mon Kwaku meilleur baka, j'aime la vie. Attends, j'ai un point bleu. Si c'est une bagnole que je dois livrer, c'est une bagnole. Tu m'invites pas, tu me rejoins. Ah non. Ouais, bah shit vous-même. D'où ils veulent se battre? Mais c'est eux là, hein. D'où ils se battent torse nu là? 25 ans, je connais. Hein, Dark, invite-moi vite, Dark, parce que je vais arriver. Bienvenue à bord du Bolin Dark, attachez vos ceintures, nous ne garantissons pas de vous prendre des barrières et que votre... C'est pas normal. Conducteur, conduise prudemment, nous vous souhaitons un bon voyage à bord notre compagnie. Ripé aux passagers. Ah, ça m'avait manqué. Non, rejoins-moi, franchement, j'ai une mission là. Je dois ramener une cargaison. Faut que tu m'appelles. Je peux pas t'inviter, j'ai les keufs au cul, gros. Tu veux que je demande aux keufs? C'est moi la police. 10 ans que le jeu il existe, il est pas foutu de faire deux trucs en même temps. Non, je peux pas faire deux trucs en même temps. Non, parce qu'il a 60 ans. C'est ah un non. Petit vieux, non, j'ai pas 60 ans, j'ai la moitié. Ah. Un peu. C'est pareil. Un peu plus. C'est pareil, on est un peu plus de la moitié. T'as 30 balais? Oh, un peu plus de 30 balais. Un jour j'aurai 30 ans. Demain, Inch'Allah, demain je me réveille. Bah oui. Non, j'ai un peu plus de 30 ans. Solène. Solène, il est lâché 55 dans le chat. Attends, parce que. Putain. Dès que les keufs me lâchent, je t'invite. Attends, j'étais à une étoile. The Last of Us. Je t'invite. Non, alors j'accepterai pas. Non, parce que je suis en pleine mission. Bah oui, The Last of Us. Mais je sais ce que tu vas dire, Solène. On ne reprendra pas le Let's Play. Quoi? C'est pas ça. J'ai essayé de m'incruster dans son discussion. Mais non, The Last of Us, putain, mais de quoi? Est une pépite, je te demande pas si tu vas le faire Day One, je sais que oui. Ah oui, je le fais Day One. Et Sony, en plus, ce qui est cool, c'est que ils ont l'air d'avoir une politique un peu plus cadeau pour les gens. C'est que si on a la version PS4, la version PS5 ne coûtera que 10€. Donc le jeu me coûtera 10 balles, ce qui est très bien. Et ce sera Day One, et on se replongera sur Last of Us Partie 2. On peut rien faire. Avec bien évidemment... Écoute pas Nico. Avec bien évidemment discussion sur les attentes pour la saison 2. Avec ce qui a été dit. Ce que l'on sait. Ça va être GTA en compagnie de Nico. Oui, c'est ça. Ce sera une mise à jour payante de 10 balles. Pour que le jeu soit version boostée. Il est là, il essaie de quelque chose. Mais non, j'anime mon live, on me parle, Solène me parle, je réponds et j'entends Nico qui fait gna 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 gna. Putain, mais même. Non, mais gars, même en chuchotant, il fait du bruit, c'est un truc de ouf. Dark, j'arrive, tu vas te bouffer deux gros missiles dans la bouche, il faudra pas me venir. Non, tu m'envoies pas. Venir me demander pour. Mais je t'invite après, putain. Putain de merde! Oh le chiant, bordel! Attends, je vais en vocal, je vais vous saouler. Je sais que tu peux pas venir en vocal. Ah! Attends. Oui, bah voilà. Voilà, t'as ton invite. J'aurais été surpris que tu puisses venir.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Juste pour cette Et... Attends, j'arrive du coup. Je prends le train. Ouais, bah vas-y. Que de la gueule. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien cette phrase. Qu'est-ce qu'il est con? Allez, oh, les deux vous êtes incroyables les deux. Attends, mais j'ai pas compris pourquoi il doit prendre le train pour venir te voir du coup. Alors toi vraiment t'as suivi. Le jeune homme il a dit tu tires pas les promesses, que de la gueule. Pourquoi tu dois prendre le train pour venir voir déjà? Non mais attends, j'ai entendu Nico l'autre fois. Hier tu parlais du train. Vous parlez d'un week-end. Ah mais oui, mais on va au ski. Oh les bâtards, ils vont au ski. Lui il sait pas, non il sait pas. Non mais les gars, non j'ai. Oh bah alors, ça c'est généreux. Juste à payer le billet. Ça c'est généreux, billet quoi, de train? Ouais, tu prends le billet, on a déjà payé l'appart et il y a au moins 3 lits. C'est-à-dire tu viens avec nous. Non mais les gars, écoutez-moi. Je peux pas poser des vacances quand je veux, vous m'aurez dit ça, je serais venu. Prends le billet de train, ça me dérange pas. Ah, on peut se retrouver dans une réelle semblance. Vous partez quand? Dark, on part du 10 au 15 janvier. Je travaille. Impossible. Et impossible. Le 10, alors je t'explique à mon taf comment ils sont, la mentalité qu'ils ont. C'est qu'en fait, vous partez en plein moment scolaire dans notre zone. Ok, bah, on est tous les trois dans la même zone. Dark, et j'ai justement pris ces vacances parce que la semaine d'avant, c'était la fin des vacances scolaires. Oui, mais le problème, c'est que quand les gamins ils sont à l'école, ils ne veulent pas lâcher l'équipe parce qu'ils ont pas assez de monde sous les bras. Arrête, Nico, arrête. Mais Dark, j'ai une vraie question pour toi. Imaginons, et là, c'est vraiment une imagination. T'as déjà fait du ski, Dark? Alors, j'en ai fait il y a longtemps, mais normalement, alors pas en 2024, mais en 2025, je suis censé. Arrête, Nico. Franchement, arrête. Je me fais de la thune là. Et normalement, en 2025, je pars au séjour ski avec les ados. Ok. Bah, est-ce que ça te dirait, Dark, je te propose quelque chose et franchement, tu disposes. Ouais. Dark, tu leur demandes de prendre le 12, le vendredi. C'est-à-dire que tu nous rejoins le vendredi, tu passes le week-end avec nous au ski, on s'éclate ensemble et tu rentres vers le dimanche. Non, mais je pourrais pas, les gars. J'aurais fait avec plaisir, mais je peux pas. Ils vont jamais accepter. Tu lui donnes un bras, ils n'acceptent pas. Peut-être ils vont pas accepter. Mais qu'est-ce que ça te coûte de... Alors Nico, on la rachète. C'est ça. Dark, je voulais pas non, là, je vais pas. Mais j'ai 2 millions sur non, mais je vais pas parler de mon travail, déblatérer des choses. Nico sait les soucis que je suis en train de vivre au travail. C'est franchement pas le moment pour moi de demander ce genre de choses. Non, sérieusement, Nico, tu le sais. Arrête, putain, t'es un enfoiré, bordel. T'es un putain d'enfoiré, Nico. Parce que je suis en train de, je brûle là. C'est pas que t'es un enfoiré. Oh putain, Nico, je vais te bannir. Franchement, je vais te bannir. Les menaces. Ou les mots sont durs. Hein. Oui, ils sont pas loin les deux, ouais. Bah Nico, je l'ai vu en vrai, vu qu'il fait mon stage chez moi. Et Enzo, c'est Enzo ton prénom, c'est ça? Est-ce qu'on peut en parler, Dark? Je suis un peu T'es pas loin non plus. Oh, vite fait, ça va, après... Tiens, tu sais quoi? On va faire un truc intelligent. Tu te mets président et tu m'invites parce qu'on va faire le casse. Hein. Il me faut de la thune, j'en ai marre. T'es vraiment un enfoiré parce que je vais perdre de l'argent. Je vais perdre de l'argent. T'es moche, la seconde d'après, il dit vas-y, on le casse. Je suis en train de mettre de l'argent sur le compte. Bah ouais, je prends un peu plus de temps. Mais non, mais tu me tires des missiles dans la tronche. Alors qu'en plus, je suis vraiment machin là. Ouais, machin là. Ouais, c'est ça, machin là. Ouais, c'est lui Nico Doux. Okay. Mais c'est pas grave, Dark. Quand t'étais au téléphone, tu savais que c'était moi qui attendais au bord ou pas? Oui, je savais. Non, à vous, tu Max, savais pas. Il m'avait dit que t'étais petit. Ah oui, quel enfoiré. Max, il m'avait dit. Sa taille sur ma taille. Hein. Ouais, je suis pas grand, et alors? Et Solène a dit MDR. Solène, tu dis rien. Enzo. Oui. Imagine Terra.
Imagine, genre là, je vois Mathieu. Imagine, t'es là, tu te réveilles un matin. Non, je dis rien, promis, ouais. Vas-y. Promis, hein. T'es là, tu fais 1m53. Oh merde. Moi, je pense que je me réveille plus. T'es un connard. Franchement, t'es un connard. Nico, tu sais quoi? Je vais m'arrêter. Je vais changer de jeu. T'es un enfoiré. J'espère que ton stage il va être pourri. Et tu sais quoi les ados? Tu sais quoi? Les ados que tu étais là, que tu disais à mon directeur, oh, ben moi les préférents, j'aimerais bien travailler avec les ados. Et bah Victor, il va te la foutre bien dans le lulu, hein? Bien dans le baba. Hein? Les ados. Et nous on va être là en train de kiffer avec nos Victor, il va se foutre une tatane, il va te regarder, il va dire respire Nico. Victor, la pièce, il m'a dit je suis là, je vais me le faire. Nico Victor, il va le choper, il va le briser en deux. Oh, ah non, Victor, attention. Victor, j'en entends parler. Hein. Non, Victor, très c'est drôle. Victor. Mais y a pas que... l'enculé. Non, Victor, très drôle. Victor, il fait quelle taille? Je sais pas, j'ai pas demandé. Victor, il doit faire 1m80. Ouvre le pète. Mais il fait 1m80 de haut et 1m80 de large. Non, je rigole. Non, il est pas gros. C'est que du muscle. Non, moi, pour de vrai. Kilos, moi. Moi, je fais 160 kilos et c'est pas du muscle. Moi, je le pèse vite. Il fait le poids d'une Twingo. Non, tu mets pas 160 kilos, c'est pas possible. Oh, tu te fous de ma gueule. Ah non, j'ai un peu maigri, mais genre là, je dois faire 158, tout comme ça, quoi. Non, c'est pas possible. Si, si. S'entend à sa voix qu'il a une voix de gros, wesh. Mais t'es un bâtard, toi. Non, mais il a raison, quoi. Genre, moi, j'en rigole, parce que, voilà, je sais qu'un jour, il va falloir que je fasse quelque chose, c'est ça, vraiment. Non, tu rigoles, c'est pas possible. Mais tu mesures combien? Tu mesures 2 mètres? Ah, mais 1m90. Non, je fais 1m78, quoi. Ah ouais. Bon Nico, tu sais quoi ces missions là? Tu vas me chercher une Stromberg et tu la ramènes vite. C'est quoi une Stromberg? Putain, c'est pas une meuf qui est forte et qui est pas très. Non mais attends, tu m'expliques pourquoi j'ai plein de camions verts? Non mais pourquoi j'ai plein de camions verts? Ah les Stromberg, ok d'accord. Solène, je suis persuadé que t'es en train de dormir. Exactement. Non Solène, elle parle. Elle a dit l'important c'est bien d'être dans sa peau et dans sa tête, le reste on s'en fout. Exactement ouais, Solène. Solène, je suis 1m87, je fais 90 kilos. Je suis une monstre, je suis une bête. Ah mais moi... Quand il y a des gens qui passent devant moi, ils baissent la tête. Moi je suis pas grand. Bah moi aussi les gens quand ils me croisent dans la rue, ils baissent la tête. On est deux. Ah moi les gens quand ils me croisent, ils baissent tous la tête, je dis baisse les yeux. Baisse les yeux, mais ils disent, on peut faire que ça putain. On peut faire que ça, baisser les yeux. Non, mais moi c'est pareil, je m'en fous de ma taille. Carrément, je m'assois. T'es un enculé, t'es vraiment un bâtard. Ça me taille. T'es vraiment un bâtard. On est là, on est en train de s'ouvrir le cœur entre nous, et là t'es en train de me tailler. Et alors on s'en fout de la taille, du poids et tout le reste, les gens. Ne voit que le superficiel, mais c'est pas ce qu'il y a. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est compliqué. Superficiel, mais c'est pas ce qu'il y a dedans. Exactement, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Ouais, mais après, il y a plus de choses dans moi que dans... Oh, l'enculé. Ah, mais moi, je suis un poids plume. Hein. Ah bah, tu sais quoi, je te crois. Je te crois, mon champion. Je sais pas, je vois être à... Ah, mais je sais pas, mon poids, hein? MDR, pardon, je fais des... Non, c'est rien. Combien tu m'as dit? 35. Oh, tu attends, 35, s'il te plaît, je suis pas anorexique. Je sais pas, on sait jamais. Je fais 52. Ouais, ça va. 52 kilos. Ouais, t'es un bon petit bonhomme, quoi. Ah, bon petit, là. Non, c'est bon, c'est bon. Tu fais du sport un peu? Non, plus le temps. Par contre, je GTA, Dark, là il y a du temps. Hein. Mais moi je suis plus lourd que Dark, arrête, toi t'es très bien. Dark, on se demandait avec Enzo, parce qu'on va regarder le film, est-ce que t'as quel film poilu et assez gros? Attends, en train de me demander si je suis un hobbit?
C'est ça? Non mais dis. Les petites baraques rondes là, comme ça. Ouais, les petites baraques rondes, bien sûr, bien sûr. Je vis dans la terre. Ouais. Ah mais clairement, gros. Ça sent la terre fraîche. Ah mais bien sûr que oui, mais gros, moi dans ma maison, tu rigoles, mais moi quand on rentre, on est pieds nus. On a des longs pieds, tout poilu, dégueulasse. Et on vit dans une maison dans la comté. En vrai, de vrai, cessons les blagues. Est-ce que t'as déjà reçu la visite de Gandalf? Oui, bien sûr. Ah ouais, j'ai toujours un vieux avec chapeau là, grande barbe. Qui vient me voir, il est barbant lui, putain. Allez, pris une Stromberg là. Mais je suis en train de prendre. J'ai une Stromberg là, excuse-moi. Je suis en train de discuter, mais je fais le travail en même temps. Eh ouais, gros. Alors par contre. Non, mais il y a des bouchons sur la route, j'y peux rien. Voilà. Tu te demandes de faire une mission pendant les heures de pointe. Ah, mais pourquoi les gens ils gueulent là tous là? C'est pas grand chose, je bouscule quelques voitures. Ah, attention, pardon. Non, mais par contre, c'est gentil pour l'invitation pour le ski, mais je pourrais pas y aller, les gars, ça va être extrêmement compliqué. Oh, t'inquiète, c'était pas pensé du début. Ouais. Voilà. J'ai d'autres projets, les gars. Après, s'il y a un bon tarif en France. Parce que tu conduis mal Dark, c'est pas ta faute de l'avoir déjà dit. Non, Solène. Ah, t'as besoin de mesures spéciales pour conduire? Tu mets des petites palmettes? Ah non, j'ai un siège bébé. Oh merde. J'ai un siège bébé. Eh, y a pas de demi-conducteur. Alors, et vous, Hamilton, il est pas bien grand non plus. Mais non, putain, vous êtes con ou quoi? J'ai pas besoin de quoi que ce soit pour conduire. Non, on conduit sur la pointe des pieds. Non, ça c'est du passé, ça, Solène. Je me suis amélioré depuis. Merde. Je suis tellement petit que je m'achète des SUV maintenant. Je suis passé à la gamme supérieure en voiture. Quelque chose à compenser là. Non, mais c'est la vérité, Solène. Parlons taille, parlons vite. Parlons statistique. Ah bah alors là je vous bats, les gars. C'est bizarre, mais... Alors là, non, désolé. Tu t'es dépêché de le dire, j'ai un petit doute. Non, mais là, désolé. Par contre, on n'ira pas dans ce débat. Ah, merci. En plein live. C'est un stream tout public. Ah là, c'est un stream tout public. Alors, même si qui a marqué « Êtes-vous majeur ?» Ah la purée, j'attendais la conf qui partait en cacahuète. Ah oui, mais c'était obligé. Par contre, tu m'expliques pourquoi le moteur, il s'éteint du camion? Oh, Il prend feu. Quoi? Qu'est-ce que t'as foutu avec? Nicolas, fais-moi un portage d'écran. Il a pris feu? Attends, j'arrive. Faut juste que j'aille aux toilettes. La voiture, elle est morte? Mais depuis quand le camion prend feu? J'ai perdu le live de bord, je sais pas. Eh oui. Non! Mais pourquoi? Parce que... Eh, tu me la ramènes, Dark Sassou. Je veux rien. Mais je vais rien ramener du tout. La voiture, elle a cramé, le camion. Le camion a cramé. Mais c'est quoi? C'est daube? Tu vas redire ça à mon F116 Raiju. Oh, et regarde. Tu regarde. T'es banni de la chaîne de Dark. Ah oui, je t'ai ban. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Ah ok, faut que je reviens. Bisous, et mon pipo d'amour Dark. Ah, t'as vu ça? C'est beau ça. Attends, mais tu fais quoi Nico? Oui, j'ai dit, Nico, depuis que je joue avec toi, là, on fout rien en fait, tu vois? Il se passe rien. Je suis plus là, faut que j'aille aux toilettes là. Allez, tout de suite. Allez, la bise, allez. Tu me casses les couilles, putain, on fout rien, il m'a dit viens, on fait un casse. Ah mais il est parti. Ah si, peut-être. Il sera sur le live. Bon, je vais aux toilettes, merde. Mais en fait, tu sais quoi, j'ai envie d'aller aux toilettes aussi, là. Putain, mais quelle mission de merde. Franchement. Oh, alors les animaux, excusez-moi, mais alors les animaux, ok, c'est bien d'en avoir mis, mais les animaux qui traversent l'autoroute au moment où t'arrives à fond de balle avec la voiture. Non mais sérieux. Mon streamer préféré va pas aux toilettes. Ah, qu'il est bête. Une petite Rosalia, j'aime bien ce petit son. Ça fait le café quoi.
Allô. Putain, on est obligé d'attendre Nico. Attends, parce que vu qu'il y a personne ici. Pardon les cailloux. On va aller voir c'est quoi là cette caisse. À chaque fois que j'y vais, à chaque fois je sais pas ce qu'il faut faire. Oh, c'est au même endroit que tout à l'heure. Fouiller à la recherche du colis. Et voilà, clip fait. Ah, t'as fait un clip? Non, Solène, t'as fait un clip de quoi? Ben oui, Kedi. Non, me dis pas que t'as fait le clip où je passe au-dessus de la balustrade. Ah putain, j'ai déchiré le chiotard. Tu me mets pas en valeur. Quoi? Elle m'a fait un clip le moment où je passe au-dessus de la balustrade. Et que parce que la voiture, ton camion l'a explosé. Ouais. Bon, balance-moi une mission là parce que. Putain, Dark, tu vas me ramener deux autres Stromberg et tu vas arrêter de te plaindre, gamin. Mais je vais rien ramener du tout, ton camion il explose pour rien. Attends, mais sur... Tu sais, Solène, que personne ne sait faire des clips depuis que t'es parti. Allô, j'en ai déjà fait, allô. Nico, j'existe. Nico de Gon n'a plus fait de clip de. Mon duo préféré. Alors tu verras, il y a un duo qui est beaucoup plus drôle. C'est le duo avec Victor. Alors ce duo, il est incroyable. Et dans la vraie vie, hein, il est incroyable. T'es obligé de me chier dessus comme ça? Non. Non mais. C'est embêtant quand même. C'est pas. Il y a pas de voilà. Il y a pas de. Il y a pas de mal. Bon, tu me balances une mission. Une véritable nouveauté sur cette chaîne. Pose-le dans le Discord. Alors, je vais te dire où ça. Dans le Discord, j'ai fait un truc. Mais comment tu m'as baisé, mon Stromberg, là, putain. Et ça pétait tout seul. Oh, mais quel monde. Bien sûr que si. Ah, putain, attends, dans Discord, j'ai mis quoi? Ah, dans Discord, en général, et tu verras, il y a clip. Et tu peux le poster là, Solène. Bon, et balance-moi. Très vite. De quoi très vite? On rejoint très vite. Mais je rejoins quoi? Je t'ai invité. Sur ton téléphone là. Où ça? Ah, excuse-moi, sur mais. Ton oui, bah, excuse-moi. Oh, excuse-moi, je n'ai pas d'invite. Ah, bah non, mais je mens pas. J'en ai pas. À la hache, si tu gagnes en un verre. Non, on va éviter les. Ah, Nico de Gon. Mais c'est là. Ah, bah excuse-moi, j'ai pas eu d'invite. Texto. T'as pas ta média? Est-ce que t'as accepté des règles? Est-ce que t'as accepté des règles? Règlement. Est-ce que t'as liké le règlement? Like le... Oui? Non? Like. Oui, t'as pas liké le règlement. Oh oui, ma belle méon. Ah bah oui, bah, il faut que tu le likes et tu le lis, s'il te plaît. Et lis-le à voix haute. Une dictature, ce type. Ah non, mais clairement. On ne laisse rien passer au hasard ici. Je vous le dis. Je vous le dis. Et ensuite, t'auras tous les onglets. C'est pour ça que tu vois rien. Tout ce que je note, tu vois pas. Il y a 8 mois. De quoi que ça remonte? J'ai pas trouvé la bonne voiture. Par contre, nos tenues sont dégueulasses. Excuse-moi, mais... Vraiment. Bah, t'aurais pu mieux les choisir. Hein. T'arrêtes de te plaindre un peu. En fait, je pouvais pas choisir les tenues. Attends, là c'est un casse. C'est lequel celui-là? Préparation Avenger. C'est une prépa en plus. Ah, c'est pas les prépas d'hier soir? Comment je fais pour retirer cette merde? Alors par contre, c'est pas du tout mon véhicule celui-là.
dans divers. Si t'avais des yeux qui te permettaient de voir un peu plus. J'ai média. Attends. Qu'est-ce que t'as dans divers? C'est où? T'as liké le règlement? Je pense que oui. Dans divers, t'as art. Normalement, il y a clip, hein. D'accord, oui, like, il y a 8 mois. Putain, mais comment ça se fait que tu vois pas? Je vais te notifier? Non, si je te notifie, ça marche pas. Putain, c'est chelou. Vous avez une idée, vous, pourquoi quelqu'un, quand il revient, il voit pas les... refais le like. Dislike et relike. Il y a peut-être un bug, hein. Ah, excuse-moi, je suis quelqu'un qui aime bien arriver très vite. Voilà. Est-ce que tu vois en vision nocturne? Comment ça? Non, je vois pas de vision nocturne, moi. Laisse-moi monter, ça va être chiant sinon. Est-ce que j'essaye? Non, j'ai pas du tout de vision nocturne, mais t'as dû appuyer sur une flèche pour voir les visions nocturnes. Attends, parce que je vais essayer de régler le problème à Solène. Pour faire un trajet, appuyez sur... Non, je paye pas. Vas-y, tu me dis si ça marche. S'il te plaît, paye, ça va être remboursé par la mission, s'il te plaît. $7,000, hein. Tu me dois 7 000 $. Oui, c'est promis, allez. Rentre chez toi, tu les auras jamais. Quoi? Quel bâtard. Quel petit con. Bon, tu m'expliques ce qu'il faut faire ici? Il faut piquer l'Avenger, c'est ça? On va rentrer dans le truc, je l'ai mis au niveau normal parce que avec toi c'est impossible de survivre. Ça va être la fin du monde dedans. Tu sais ce que à quoi ça ressemble la fin du monde? À la fin du monde, bah les dinosaures ils se sont pris un caillou sur la tête et c'était la fin du monde. Bah tu vas te prendre un gros caillou dans le crâne. Voilà, on va se prendre. J'ai cru qu'on allait se prendre derrière moi. J'ai cru qu'on allait se prendre une grosse porte dans la tête surtout. Reste derrière moi et joue tes vies. Oh, je la connais cette mission. Oh, je la connais. Putain, elle m'a fait rager cette mission. Oh. Oh! J'ai pas le. Putain, comment ça se fait? Je te jure que t'es pas bloqué, hein. Je t'ai même fait passer membre. Non, c'est à moi, t'as pris tout à l'heure une idée. Mais non, mais je comprends pas pourquoi qu'elle voit pas. Ou alors clique sur général, je sais pas, et peut-être que ça va te faire baisser les onglets. Bon, ça commence à me gaver, les mecs, au loin. J'arrive pas à les toucher. Oh là 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 là. Je suis mort. Non, mais elle est horrible, cette mission. Je la connais, elle est horrible. Et je peux pas foncer. Je me fais allumer. Moi, ouais, this is the end, ouais. C'est la fin, ouais, bah, c'est sûrement la fin. Je suis mort. Putain, je comprends rien. Ah, bah t'as réussi à le mettre? Écoute, ah, t'as trouvé, du coup t'as tout. Normalement, t'as tous les onglets. Je veux tes petites fesses collées à mes basques. Dark. Collées. Ok, tout. Oh là là.
Eh oui, j'ai vu. Bon bah du coup t'as tout, tu vois tout. Oh putain. Oh putain, oh putain. Il fait son pleurnicheur. Il faudrait que tu m'envoies un screen que je vois. Non. Ah putain. Oh j'ai plus de vie. Oh, je vais crever hein. Voilà. Je l'avais dit hein. Ah puis à cause de toi j'ai plus de trucs maintenant. Ouais bah oui je me doute vu l'heure. Je me doute. Ah bah voilà, je suis mort. Elle me casse les couilles cette mission. Non mais non. Viens on fait autre chose ce soir. Franchement on fait autre chose, là j'ai pas envie à cette heure-ci là. Cache-toi, je la fais. On est obligé de la faire. Il y en a qui bossent tôt demain. Ouais. Ouais, ça tu peux le dire, ouais. Ça pour bosser tôt, tu bosses tôt, ouais. Et tu finis plus tôt. Eh ben écoute, merci d'être passé, ça fait vraiment plaisir. Le retour. J'espère te revoir bientôt sur la chaîne. Je te souhaite une bonne nuit. Et courage pour demain surtout. Bon bah moi, go me cacher. Ça marche. Bon bye à toi. Bonne nuit à toi. Ah bah je reste caché hein. Tu m'as dit cache-toi, je me cache. C'est un truc de ouf, j'ai aucune. Aucune précision. Ah, je les allume, hein, mais compliqué à les tuer, hein. Mais arrête de le viser lui! Oh, ça me saoule, putain. Non mais on va pas la faire, je te dis. On va s'arrêter là. Ah ouais, mais j'essaye, hein. Et voilà, dès que je sors, voilà ce qui se passe. Je suis une balle de crevée, j'arrive pas à récupérer. Je ne veux pas remonter. Allez, vas-y, on va abandonner, c'est bon. Moi, je vais couper le live là. Du coup... Moi, sur ce, merci à tous et à toutes. On va continuer, nous, en off. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Plus qu'à...